Tan Kong, je suis vietnamien, étudiant vietnamien. Je suis arrivé en France il y a 5 ans, en 2007. J'ai fait en deux premières années en GEA Saint-Étienne. Et après, j'ai poursuivi une année en Master 1 en management de projet. Et cette année, je suis en Master 2, contrôle de gestion et audit opérationnel au sein de l'IAE Saint-Étienne. J'ai choisi Casino parce que en 2009, il y a 3 ans, j'ai passé un stage de court terme en 3 mois au sein du service de comptabilité. Et ça m'a donné l'envie de continuer de travailler dans une ambiance dynamique et avec la diversité comme on a au groupe Casino. La formation d'un alternant nous permet, pour ma part, de remettre en cause un petit peu mes méthodes de travail, puisque étant donné que l'alternant a une vision neutre dans l'entreprise, donc sur nos méthodes de travail peut nous apporter des critiques ou des observations qu'on peut en mettre en œuvre, voire pour progresser. Et d'autre part, sur un aspect plus personnel, étant donné que l'alternant que je suis Tan Vu est étranger, pareil, l'approche des civilisations et même des continents sur certains aspects est intéressante et humainement est très 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 bénéfique. Associer l'aspect théorique et l'aspect pratique, c'est le but principal de la formation alternance. Au début, on pensait que peut-être il y a un grand écart entre ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on réalise à l'entreprise, mais les connaissances sont bien utiles pour apporter quelque chose au travail qu'on réalise. Alors, comme évoqué plusieurs fois avec Tan, ce que je lui souhaite, c'est déjà qu'il réussisse son diplôme, ensuite qu'il puisse amener au plus loin possible sa formation professionnelle, et s'il le souhaite, c'est de mettre en avant, dans un avenir à court terme, s'il souhaite repartir dans son pays, pouvoir intégrer la filiale vietnamienne, en mettant en avant qu'il a été pendant quelques temps chez Casino en France et qu'il connaît les méthodes de travail préconisé par le groupe, ses valeurs, ses objectifs et tout ça. Donc ce sera un point, je pense, important pour lui et bénéfique par rapport à d'autres candidats.